Je suis arrivé au Gabon, j'avais un souci. Je voulais voir ça, le stade. Et j'ai vu, papa. C'est bien, mais je veux vous poser une question, vous les Gabonais là. Ça là, ça vous sert à quoi? Je salue toutes les équipes africaines qualifiées pour la Coupe d'Afrique. Mais j'ai un souci là. Je suis arrivé avec Nyangono. Nous sommes venus par moto. Arrivé à l'aéroport, on a pris l'avion. Mais je cherche Nyangono, je ne le retrouve pas. Et ça, c'est inquiétant. Donc, si vous retrouvez quelqu'un qui a l'axe lourd sur la tête, il a une petite crête, une crête-tête, qui a un gant blanc, des lunettes qui s'allument, et qui a les décis de battre pendant cet événement, il fait fou, pap. C'est Nyangono, s'il vous plaît. Nyangono, on est venu pour un combat. Nous ne perdons pas de vue l'objectif. Si tu m'entends, je dis Wayaï. Réponds Wayaïoui. Mais si c'est. En cherchant Nyangono, je suis trouvé sur un personnage. Moi. Hey, hey. Oh. Mais moustique, t'as dit qu'on a. Oh, tu fais quoi ici? Je suis venu avec Nyangono, mais je suis arrivé là, je descends l'avion, Nyangono n'est pas là. Mais moustique, moi, t'as toujours dit que non. Si on était au Cameroun là-bas, devait te gifler, Tiana. Tu viens pour le retour au Gabon, tu ne me colles pas, tu viens avec Nyangono. Non, ce n'est pas le retour, je suis venu pour l'aller. Là, je viens d'arriver, le retour c'est prochainement. On a un problème sérieux à gérer, il faut trouver Yaya Dichenzo et Shane Brydon. Non, ne parle pas du retour, que tu parles qu'on va monter dans l'avion. Dis le retour du genre, tu viens gérer Shane Brydon et Yaya Dichenzo. Moi-même, je les cherche. Tu les cherches aussi? Oui. Toi, tu es venu comment? Par route, non. C'est moi, mais je suis venu par route. Comme il dit que, comme Yaya Dichenzo dit qu'il a pris là trop les dos, non. Il fait choix, all ses dos. Non, le peuple gabonais, moi, je n'ai rien contre vous, vous, Yaya, non. Parce que je suis contre toute forme de violence. C'est vrai, tu es contre toute forme de violence, mais il y a des violences qui valent la peine. Mm-hmm. Si c'est Yaya Dichenzo et Shane Brydon, tu gifles. Je gifle, père. Je vais leur donner une plouille de gifles seulement. Plouille de gifles. Le choix, on leur dos. Merci. On commence à manger par où? C'est la question que je suis en train de me poser. Mais quand on va les prendre là, on prend Shane Brydon, on prend Yaya Dichenzo. Mm-hmm. On va les manger avec quel. Dans quel mets? On fait les michouis. Non, faisons les boulettes. Les noyaux. Non, les noyaux, ça boit les vite. On fait un riz djadja avec eux, tu y en as. Non. Bon, riz djadja avec eux, c'est bon. Mais si on fait ça, on les mélange un peu avec les atangas. Oui, les atangas. Non, ça ne passe pas, mais on fait un peu dans le héros. On met ça, on les met. Mais Yaya Dichenzo, il est mort dans le héros. Il y a personne ici. Mais t'as tu vois que l'emboutman gabonais, là, il peut faire. Il a dit que tout ce qu'ils voient, non, il y a choix. Ils ont fui. Ok. Bon, de toutes les manières, vous nous racontez dans la rue, Yaya Dichenzo, Shane Brydon, on les cherche. Si on t'attrape, tu ne dis pas où ils sont. Voilà, tu fais quoi? Il est caca comme un filon, il est fume. Tu respectes, non? Non, ne gère pas la pluie. Parce que non, qu'il pleuve ou qu'il neige, un soldat va toujours avancer. Allons. Dans le caca, non. Un tour.